Good morning, Aleidan, les sous aujourd'hui, le Nishmat Mochloficha ben Masoud Arivka, Bat Levi Itzrak, Nachman Yosef ben Achum, Avram Chenor ben Mazal Mazaldo ben Yudit et Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez aussi d'étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sécurité éternelle. Nous étudions la Sechet Midot, Perek Aleph Mishnah Gimel, Chamisha Sharim Ayule Har Abait. Shnei Shaare Chulda min Adarom, Meshamshin Knissa ve Yetzia. Kifonos min Amaharav, Meshamesh Knissa ve Yetzia. Tadi min Atsafon, Loaya Meshamesh Klum. Shara Mizrahi Alav Shushan Abiratsura, Shebo Kohen Gador la Soref et Apara, Opara Vechol Mesaadea, Yotzin Lehar Amishra. On commence maintenant à découvrir concrètement l'architecture du Beth Amigdash, mais tout d'abord du Har Abait. Har Abait, c'est le mont du temple, là où se trouvait le Beth Amigdash, notamment, mais c'était une très grande cour, une très grande étendue, et qui faisait, je crois, 500 amas sur 500 amas, 250 mètres sur 250 mètres. Et donc dans la partie nord, on avait déjà vu qu'il y avait le Beth Amigdash. Concrètement, la Mishnah nous enseigne qu'il y avait 5 portails au Har Abait. On les voit tout de suite dans le dessin. Regardez, là, ouais, n'oubliez pas l'Asie des directions. On va toujours vers l'ouest, au Maharav. Shrina be Maharav. Et ici, le Kodesh HaKodeshim, on entre vers l'ouest, de l'est à l'ouest. Donc là, on a donc le sud, là c'est le nord. Ouais, direction sud, nord, est et ouest. Regardez, je le dis tout de suite, on a 5 portails du Har Abait. 1, 2, donc 2 au sud, 1 au nord, 1 à l'est et 1 à l'ouest. Et la Mishnah commence à me faire le détail. On va d'abord traduire toute la Mishnah, littéralement, c'est très facile à lire. Et après, on va expliquer les noms originaux de chacun, de leur origine et leur fonction exacte. Chamisha She'arim ayu le'Har Abait. Il y avait 5 portails, 5 portes d'entrée. Au Har Abait, pour entrer dans le Har Abait. Shnei Shaare Chulda min Adarom. Il y avait deux portes qui s'appelaient les portails de Chulda. Chulda, c'était une prophétesse. On expliquera après pourquoi. Mais il y en avait deux qui étaient au sud, dans la partie sud. On va vous expliquer pourquoi au sud il y avait deux portes et pas dans les autres endroits, dans les autres directions. Donc Shnei Shaare Chulda min Adarom et Meshamshin Knissa Veyetsia. Elles servaient d'entrée et de sortie. Chacune servait d'entrée et de sortie. C'est pas qu'une pour entrer et l'autre pour sortie. Chacune elle sert d'entrée et de sortie. C'est déduit de la suite de la Mishnah en fait. Kofinos minamaharav. On continue, on fait le tour maintenant par ici. On arrive on arrive au Maharav à l'ouest. Là-bas, il y a une autre porte qui s'appelait Kofinos. Char Kofinos. L'arche de Kofinos. Et Meshamesh Knissa Veyetsia aussi, ça servait d'entrée et de sortie. Tadi Minatsafon, il y avait un autre char qui s'appelait Tadi. Et lui, cette fois-ci, Loya Meshamesh Klum, il servait à rien. En réalité, on va apprendre qu'il servait à quelque chose, mais de très discret. Et Char Mizrahi, et à part ça, à l'est, il y avait le Char à Mizrahi, la porte de l'est. Et qu'est-ce qu'on faisait là dans ce char? Alav Shushan Abira Tsura. Au-dessus, il y avait une forme de Shushan Abira, de Suze, la capitale. Shebo Kohen Gadol, la soirée fait appara, que par là, le Kohen Gadol qui va brûler la vache rousse, ou para, et aussi la vache, le Chol Mesaadea et toute la délégation qui devait l'accompagner pour aller brûler la vache rousse, Yotzin Lehara Mishra, y partait au mont de l'huile, au mont des oliviers en fait, parce que on fabrique avec les oliviers, on fabrique de l'huile, ça s'appelle le Hara Mishra, et on recommence, on explique chacune de ces. D'accord, on a fini de traduire le Mishnah, maintenant on explique ça à l'oral. Shaare Chulda, tout d'abord, il faut bien comprendre, ça, tout ce que vous voyez là, par rapport à Yerushalayim, c'était pas au centre de Yerushalayim. C'était dans la partie nord d'Yerushalayim. Yerushalayim était dans la partie sud. Sud et ouest, d'accord. Et donc on avait un peu, en excentré, on avait le Har Abait. De ce fait, et ben la majorité des gens, ils arrivaient tous par là-bas, puisqu'ils étaient de l'ouest, ils entraient par ici, donc ils entraient donc par les portes de... ils étaient tous au sud, donc ils devaient entrer par les portes du sud. Donc il fallait leur faire deux portes, pour que tout le monde puisse entrer. Il y avait beaucoup de trafic. Ok? Ça c'était pourquoi il y a deux portes au sud. Maintenant, pourquoi on les appelle Shaare Chulda? Tout simplement parce qu'il y avait Chulda Nevia, il y avait... Une prophétesse qui s'appelait Chulda, qui était assise par là-bas, et qui prononçait, qui disait toutes les prophéties qu'elle
recevait, donc du coup les portes ont été appelées à son nom. Ça c'était pour Khulda Minadaro. Maintenant, là, donc ça servait de porte d'entrée et de sortie. À part ça, on a Kofinos Minamaharav. À l'ouest, il y a Kofinos. Kofinos, ils expliquent à Mefarshim, c'est une traduction en grec, un petit peu raccourcie, qui vient d'en fait Ginat Vradin, un jardin de roses. Si vous parlez le grec, eh ben, peut-être que vous comprendrez ce que ça veut dire. C'est rapporté dans les détails, ils rapportent ici, Kipos Epinos. En tout cas, c'était donc il y avait ici un jardin de roses qui était derrière, il y en a peut-être qui proposent que c'était là-bas qu'on allait chercher les roses pour le... Apparemment, dans l'actoret, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il y avait exactement, hein, que... Kafa, je sais pas exactement. Je vais pas m'engager plus. Ensuite, donc, Kofinos, elle était à l'ouest. À part ça, il y avait une autre porte qui s'appelait Tadim et Safon, au nord. Cette fois-ci, il faut bien comprendre, il n'y avait plus rien derrière. C'était le désert. Et c'était une porte qui ne servait pas tellement d'entrée et de sortie. Et qui sortait par là, en fait? Vous vous rappelez, dans ma Sechat Tamid, on a appris qu'il y avait un Balkeri. S'il y avait eu un Kohen qui était à l'intérieur, qui avait eu une pollution nocturne, il avait une impureté la nuit, il avait dormi sur le ventre, et ça peut arriver. Et bien, dans ce cas-là, il ne devait surtout pas rester dans tout le Harabait, il devait sortir. Il sortait par cette petite porte discrète, comme ça, personne ne le voit. D'accord? C'est assez honteux. Donc, il sortait sans que personne ne le remarque. C'est pour ça qu'il y avait cette porte qui n'était pas tellement utilisée. Regardez qu'en plus, ça, c'était par derrière. C'est-à-dire que si tout le monde rentre par ici, il rentre par ici, il rentre directement pour la Batamigdash. Il n'y a presque personne qui traîne là-dedans. C'est assez désert. Donc, du coup, on peut facilement s'éclipser. Après, on a le Tadim et Safon, Shar Mizrahi. La porte de l'Est, maintenant c'est la dernière, c'est celle-ci, elle est juste en face de... elle est alignée vraiment avec la Ezrat Nashim, avec la Hazara, et avec ensuite le Kodesh HaKodeshim. Et pire que ça, vous ne le voyez pas, mais en fait il y a un dénivelé dans le Beit HaMikdash, je crois qu'on va parler dans le Sechet Midot, on en parle aussi dans le Sechet Para, il y avait un dénivelé, ce qui signifie qu'en fait, le Kohen Gadol, je vous explique le principe, c'est très simple. Pour la vache rousse, il fallait sortir en dehors des Yerushalayim et la brûler à l'extérieur. Ça devait être fait, c'est rapporté dans le Misha par le Kohen Gadol, en réalité c'est pas le Kohen Gadol, c'est le Sgan HaKohanim, c'est une Machloket, et le Bartonor nous explique que la Mishnah, elle est pas comme la Halacha aurait dû être. Parce que la Halacha c'est pas par le Kohen Gadol, mais c'est par le second, le vice Kohen Gadol, le Sgan. Ça change rien au problème, concrètement, le Kohen dénommé à ça, plus toute la délégation qui veut sortir pour brûler la para et même la vache, il sortait depuis le Beit HaMikdash, il sortait en ligne droite, il montait sur la montagne d'en face, il devait brûler en voyant le Kodesh HaKodeshim. Étant donné qu'il y avait un dénivelé, ça fait que un au-dessus de la muraille et l'autre par l'intérieur de la muraille et par le portail, ils réussissent à voir le Kodesh HaKodeshim. Pendant qu'il brûle, il faut voir le Kodesh HaKodeshim. Et donc de ce fait, c'est ce que la Michelle m'a enseigné à la fin, hein, que c'était le Shar HaMizrahi. Ah, donc c'est par là que le Kohen Gadol, il partait avec toute sa délégation pour brûler la para. Maintenant, pourquoi c'est quoi cette histoire de qu'il y avait une forme de Shushan Abira, Suse la capitale, une forme de Suse la capitale, ça veut dire que c'était en fait une sorte de dôme perse, qui était, elle avait une forme, le char ici, il avait une forme avec une sorte de, comment dire, de coupole comme ça un peu à l'arabe, comme dans les mosquées ou un truc comme ça, quoi. C'était un souvenir de Suse. Pourquoi est-ce qu'il fallait laisser un souvenir de Suse? Parce que le Beit HaMikdash, le deuxième Beit HaMikdash a été reconstruit sous domination perse. C'est les Perses qui ont donné le feu vert pour reconstruire le Beit HaMikdash. Darius, après, il avait deux fois Darius, ils ont commencé, après, ils se sont arrêtés dans le 5 minutes éternel de Daniel. On va en parler un petit peu, on est en train d'étudier Daniel en ce moment. Et puis dans le prochain, Bezrat Hashem, que je suis en train de préparer, on va revoir encore une fois que ça. On parle de un petit peu de ça, que sous la domination de Darius, alors il y a eu un premier, il y a eu deux Darius qui sont, un Darius le Mède et l'autre Darius le Perse. Et à ces deux époques-là, on a reconstruit concrètement le Beit HaMikdash. Pour que on se souvienne c'est qui est derrière nous et qu'on soit plié à eux, alors les Perses ont demandé qu'on fasse en souvenir, en mazkeret, qu'on se rappelle bien que c'est que ceux qui ont construit en faisant une forme qui rappelle la Perse, qui rappelle Shushan Abira. D'accord? Et puis on a fini, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le plein de Hatzlacha Kol Tov, ça va.